Vous cherchez à adapter vos actifs immobiliers aux nouveaux besoins de santé et de soins. Il arrive ainsi qu'une partie de votre patrimoine ne réponde plus aux exigences des fonctions d'usage et arrive en fin de cycle de vie. Dans le cadre de votre stratégie patrimoniale, la valorisation et la cession peuvent être des leviers pour vos nouveaux projets d'investissement. Pour vous aider à réussir cette phase, l'ANAP vous propose dans ses productions dynamisation du patrimoine immobilier des établissements sanitaires et médico-sociaux, une démarche stratégique de cession et valorisation de votre patrimoine, une méthode d'analyse des potentialités de votre site, les textes juridiques et techniques applicables, des retours d'expérience de cession de sites complexes. On a une méthodologie qui nous permet de voir un petit peu comment on peut faire, puisque nous avons un patrimoine qui est constitué d'achats de bâtiments qui sont parfois achetés, parfois loués, parfois remis gracieusement. Et les brochures de l'ANAP vous permettent d'avoir une méthodologie qui permet de savoir un petit peu, d'envisager les enjeux, les orientations stratégiques, donc d'avoir une méthodologie qui permet d'aller d'étape en étape pour aller jusqu'à une décision patrimoniale. Ces outils sont très précieux et moi j'utilise beaucoup les outils de l'ANAP sur la valorisation du patrimoine.